Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléché lui tint à peu près ce langage. Eh bonjour monsieur le corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. On a en saisi et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, que l'on n'y prendrait plus.